lecture du 15e chapitre du livre d'Exode. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb, dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite. La terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront mûrs comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Nous n'en guaricano mordi, ri et ma balaguer, en face los bomberos. Service créole pour moi, ap edo pour moi te business, ak en pile l'autre service encore, tant que mon cash, crédit business, sabotage, ak coup pour parler langue étrangère. Ou même tout qui besoin pièces d'un coup, acte de naissance, acte de mariage, extra d'archives, matricule fiscale, passeport et la trier, écris-nous son numéro ça 849-224-8121, 849-635-7265.